Ouais, j'ai gardé le stream parce que je voulais garder la vidéo, faire des vidéos même si j'ai perdu et tout, mais c'est quand même un tuto, c'est pas. C'est quand même un petit tuto, c'est mieux quand même. Petit tuto Piggy. Après ça gagne sa perte, c'est pas un problème. C'est vraiment histoire de voir à peu près l'esprit du gameplay Piggy comment c'est. Du coup c'est bon là je... Non c'est pas bon pas ça, attends je vais regarder parce que du coup. Ça se trouve c'est pas exactement ça. Ok moi je suis quoi dessus là. Je suis quoi dessus Ça doit être un truc comme ça. Je crois que c'est ça, c'est pas. C'est, je crois que c'est ça, c'est inverser une lettre. Il n'y a que Toko au courant, donc après. Comme je t'ai dit pour le truc, compte tranquille, moi je m'en fous. Vas-y. De toute façon, il faut. Il faut que je joue sur mon compte là. Trop parler, enfin je peux parler mais je peux pas non plus hein. trop caster un petit peu, enfin si c'est pour une ou deux games j'ai pas. Je sais pas si tu m'entends là. Du coup, je vais tester quoi hein. Tester KTZ là. KTZ Arthas. Ah, mais il n'y a pas Arthas. Je vais me faire mes autres qui. Ok. Bon, après, il vient de secouer donc on va jouer un truc normal. Moi, je vais support, je pense. Je vais le tuer. Avoir trop le choix. J'ai modifié le titre, hein. J'ai mis Team PV, j'ai là. Au pire, je vais peut-être relancer la vidéo. Enfin, non. Non, bah non, j'ai pas besoin parce que. C'est que j'ai pas présenté la vidéo comme une vidéo, mais je pense qu'on va pas faire une vidéo. Non, mais en vrai, non, y'a pas besoin. YouTubeur. Tout est dans le titre. Ça j'ai modifié le titre. Du coup. Ouais. Normalement à partir de deux personnes, Lucho il prend quand même sa value théoriquement, enfin je veux dire Lucho quand même c'est comme un bon pick pour jouer
anti, même à partir de 2, je veux dire. Mais pas insanément fort non plus, mais ça reste un bon pic. Ça reste une fiabilité. Si on aurait fait un double carry, mais un truc assez violent, sans support, sans rien. Pour l'action. Ma haine est sans limite. Mon public m'appelle. Ah, c'est vrai que toi à la base, toi, c'est vrai que t'as ta vraie compo, toi, c'est les elfes, toi. À base, toi, c'est des dames. Ouais, je fasse un tuto pour cette compo aussi. C'est Illidan, Lunara, Vala, Malfurion, Tyran. Ça va. La compo vraiment burst. Burst DPS, DPS, DPS à distance. Focus. Anti tout. Compos anti-aérien aussi, parce que si on fait, si par exemple il y a un mec qui ils font des compos par exemple Falstad, double Falstad, par exemple Falstad battu avec deux, par exemple deux Falstad, des compos avec de l'aérien, par exemple avec la Banshee de Raynor ou je sais quoi, un truc comme ça. Mais dans tous les cas, la compo elf c'est la meilleure anti-compo anti-aérien, mais c'est anti-tout, hein, mais c'est surtout très fort anti-aérien. Compo. One shot. Donc il y a bien une bonne compo undead, il y a une bonne compo elf, il y a une bonne compo humain. Moi je préfère la compo humain bien sûr. Et après il y a compo orc aussi. Compo orc, ça serait plutôt du Thrall. Thrall ETC Régar. Le TC Régard, Yo UV Sport, yes, c'est ça. Dans ce cas, rendez-vous seulement les Jedi, les deux légendes. Ah, c'est vrai, ça fait longtemps, mais c'est vrai que j'y pensais. Là, mais c'est vrai que ça fait longtemps. Ah, j'ai commencé à connaître le jeu en même temps que Jedi. J'ai commencé sur la rose. Ah, le stream à connaître, le stream à connaître tout ça. Ça date de cette époque-là. Hein. En train de grid, quoi. En train de grid, motherfucker. Super. Ah, c'est sûr que c'est comme tu dis, les légendes, ah, les gens. À l'époque c'était Jab qui streamait en tout premier. J'avais connu. Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, je parlais de la compo. La compo Orc. Donc c'était Régard. Zujin, Thrall, ETC, et bah, je crois sinon c'est l'autre là, le Blade Master, là, je sais pas comment il s'appelle, Samuro, ça. Hein. Du coup ça fait Samuro, Thrall, ETC, ça fait surtout de la frontline. Hein. Zujin, il n'y a que Zujin à distance.
C'est un peu ça, c'est un peu le gameplay des orques. De toute façon, les orques. Non, c'est sûr, ils... Après, c'est un regard furieux, bien sûr. Il n'est pas orque. Mais je m'en fous que c'est pas un orque. Ça reste quand même le perso qui ressemble le plus. Lucio, il est pas undead. C'est pas pour en tant que. Gaz 2, il est pas humain. Je sais pas ce que je veux dire. Mais ça reste quand même le gameplay qui se rapproche le plus. T'inquiète. Mais bon, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Jujin n'est pas orc, c'est bon à savoir. C'est un quoi? C'est un. Comment ça s'appelle? Il a déjà fait des kills ou quoi? C'est un troll, ouais, c'est un troll. Ah merde! C'est un troll. Ouais, un troll. Et il vient de quel jeu, je veux dire? Il vient bien de. Il vient bien de Warcraft, non? Warcraft, World Warcraft. Après Warcraft, World Warcraft, ça regroupe, je pense, le même univers. Je pense que ce soit World Warcraft ou Warcraft Reforged. Warcraft Frozen Throne pour les anciens. C'est le même. Même délire. Mais ouais. Non, dans chacune de mes compos, il y a un. Non, il n'y a que dans ma compo elf où il y a. J'allais dire où il n'y a que des elfes, mais même dans ma compo elf, je commence à douter. Je me dis, est-ce qu'il y en a pas un qui est pas elf? Non, je pense que ma compo elf, ils sont tous vraiment. Moi, j'ai tout rajouté chez Cholucho, hein, il y a un an de ça, il y a un an et demi de ça déjà. Je commençais déjà à découvrir les gameplays en team de Lucio. Genre il est un peu zéro à tout, ça va le mettre en confiance. Ok, j'ai cherché carrément. C'est pas grave, on va en gratte ce qui est fini. Je vais pas int, hein, tu vois ce que je veux dire, le but c'est pas de int, c'est juste de. Les gêner quoi. Pendant que j'ai lui push. Et venir aider G-Lab. Non mais il y a des compos à thème, moi de toute façon je suis un ancien de Warcraft quand même. Il y a des compos à thème qui sont bien. Même si c'est pas exactement la même compo. Ce sera jamais exactement le même gameplay. Allez c'est bon. Mais moi je trouve que ça ressemble énormément, c'est beaucoup inspiré et c'est très très intéressant. C'est vraiment, je pense que ça peut être très intéressant les compos. Que ma compo humain là, je vais tester, j'ai jamais vu une meilleure compo. Même ma compo terrain, hein, la compo terrain aussi. La compo terrain tissu ça meurt. Du choix quoi. Allez le bump, bien, joli bump. On aura peut-être pas le kill mais. Ah mais ça va tout le temps tellement cher. Ah oh, putain, j'ai pas pu le booster à temps. Mon ex-écho, hein. Ah, je sais pas, ça allait trop là. Dans la mire du son, hein. Je pense qu'on gagne, on domine quand même. Je veux dire, pas qu'on gagne, mais qu'on domine en tout cas. Je pense qu'on gagne. On va décaler hein, parce qu'on est trop nombreux. On va décaler. On va même décaler le teamfight. Voilà.
Allez. Laisse-moi du sang. Ah, je peux pas, je peux passer. Sans trop cher. Pliez-vous maintenant! Je pousse le volume! En gros, on la gagne cette game. Tant qu'on est ex-écho, je pense qu'on la gagne. On a quand même confiance en. Quand on joue avec des joueurs qu'on a confiance. Bon. Après, c'est si jamais on fait le gros grid ou. Mais nous, on grid pas, hein. On n'est pas trop dans la main. On est dans le PVI. Après, faut voir s'ils ont quand même une compo. Une compo, mais. Arrêtez, on va rouler dessus. Putain, on a perdu l'autobot. Ça c'est dommage ça. Dommage ça. On va vraiment nous voir encore. Shot pour nous voir.
On a un peu d'XP de retard, vaut mieux avancer, faut pas rester à 4 sur le truc, c'est pas... C'est pas très bon. Ouais, j'ai reçu un peu. Oh, il y a Zagara en bas. Ils ont fait le beau saut. Commence à éclairer mes temples. Bientôt, ils seront illuminés de ma gloire. C'est parti! S'écoule à travers les temps. Gardien, ne laissez pas ces mortels s'en approcher. Et maintenant, le reste. Repliez-vous, maintenant! Boucherie! J'utilise pas tombé. Non, j'utilise pas souvent, c'est vrai que je pense pas souvent. Donc, quand j'essaie de penser, ça me sert un peu à rien. C'est un peu de la merde. Je sais pas. Mais ouais, faut que j'y pense à moi plus souvent. Franchement, j'ai appris à jouer sans. Hein. Enfin, sur le tour, hein, je pense. Tellement, je trouve, il est pas ouf. Il peut être ouf hein, dans certains cas, mais il est pas souvent utile. Est très utile dans certains cas mais pas souvent utile. Voilà. Ah, je me fais tuer, mais je voulais être sûr de prendre le fort et puis bon, de toute façon, je pense que j'étais sûr de l'avoir. Mais bon, je voulais être plus que sûr en vrai, quoi. Et puis. Non, je me suis un peu. Je savais que c'était arrivé, mais je voulais absolument le fort. Il manquait peut-être une auto et ça m'aurait saoulé pour une auto. Ah, ouais, c'est bon. Regarde, ça fait plusieurs fois une bonne action utile.
Ah bon, on est trop. C'est bon. Votre idole se fait attaquer. L'heure du rappel. Ça merde, non, pour rien de dégueu. Je vais te forcer comme un homme. C'est du soin de lui. Ah bah GG, hein, GG, c'est ce qu'il dit, hein, GG, bien joué avec la persévérance d'Illidan. C'est tout le temps comme ça, hein. Illidan, souvent les games, ça va pas forcément tout le temps montant, des fois ça fait des hauts, des bas. T'es bien PV en plus, là. Hein. Non, on a bien joué, Team PV. Hein. Moi je savais, depuis le début, je savais qu'on allait gagner, je savais, faut être patient. Je sentais qu'on dominait. Voilà. Je veux juste. Vas-y, on retaille. En vrai, c'était une bonne game. Ouais, franchement, c'était une bonne game. C'est vrai que c'était une bonne game. Je fais une pause une minute, en même temps je tag. J'arrive.
juste. Vas-y, je vais reprendre le chou, moi, je pense. Je vais prendre l'Isaïe plutôt. Ah ouais, l'Isaïe. Je vais prendre Descartes sinon. Allez, j'arrête. C'est quand tu veux. Ensemble, nous forgerons l'histoire. Ça, c'est mon son. Tremble devant moi. Vous allez tous souffrir. La chasse commence. Ouais. Ici c'est PV, bah c'est pour ça que je voulais prendre Descartes PV là, j'ai hésité à... parce que Descartes c'est plus PV, ouais. Mais ouais, ça reste PV, mais... Ah, de toute façon, les compos à thème, ça marche bien. Ça marche bien si t'es beaucoup, quoi. Et aussi, enfin c'est intéressant, je veux dire, c'est beaucoup. Et aussi, ça peut être intéressant à deux. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant à deux et qu'on pourrait thème, parce que justement, c'est difficile à mettre en place à deux. Mais par exemple, KTZ PV avec Arthas PV, j'aurais bien voulu tester, tu vois. Mais on testera l'occasion, là, on teste des trucs un peu, parce que de toute façon, faut améliorer la draft et tout. Dans tous les cas, le Lucho et Opti, il fait partie de la compo. Dead, mais coucou les viewers, yo, voilà, j'ai un host, 56 spectateurs à Arsion, ah merci là, pour le host là, PV là, on est avec G-Lab, on fait PV à deux, ça fait longtemps, tranquille, mais ce que je, donc c'est quoi je disais, j'avais pas oublié tout ça sur le stream. Perturber le cast. Alors, c'est une bonne de qualité. Hein, quand même. Une bonne de qualité, ça fait la différence sur le QO. Même sur la game d'avant, hein, il y a une bonne de qualité.
la qualitativité. Ah, j'ai pas. Oh, tu me fous le bumper en main qui. Bon après ils ont pas de. Ils ont personne au top, ils ont que la barre. Donc c'est vrai qu'au niveau XP, là on a la balle environ comme ça. Normalement ils vont avoir du mal à prendre de l'XP. Ouais je disais A2, donc ça serait plutôt je pense KTZ. KTZ Arthas, même si ça a pas, très vraiment de burst en réalité. C'est un peu de la merde comparé à Jaina, enfin ça. Mais c'est plus défensif, c'est plus PV en vrai, je sais pas. Ça doit être fun, je sais pas, ça va tester, mais je pense que ça doit bien marcher en vrai. Ça va pas être ultra fort, mais ça doit être bien bien fun. Pour tryhard, ça doit être bien intéressant. Comme strat. KTZ PV avec. Je sais pas trop aller bump là. En elfe, ça serait plutôt bah, Lunaravala, je pense. Hein. Ouais, Lunaravala. Hein. Ou alors Illidan, Illidan Lunara, tout simplement. Ah, j'ai tenté un bump. Ah bon, je m'en ai quand même. Il y aura option. C'est le genre de mec master qui fout une raclée aux gens. Putain, tout en bas. Ah non mais. Ah ouais, option là, en fait, faudrait que tu viennes à l'occasion d'en faire une avec nous. Parce que moi j'attends qu'on fasse avec ton KTZ et éventuellement avec le bull PV KTZ PV. Que tu essayes mon bull PV KTZ PV. Et Gilab il essaie le but Arthas PV. Et moi je fais Lucio PV ou. Mais après j'aimerais que Picsou il fasse un balafré PV. Après on n'est pas obligé de faire PV direct. Hein. Au début on fera avec vos bulles. Machin. Et, par exemple Picsou il peut faire balafré. Et Pipaja il peut faire Xo. Parce que je sais que c'est des héros que. Vous avez l'habitude de jouer souvent et en plus ça serait une vidéo intéressante, même un stream intéressant. Alors, c'est skip. Parce que tu vois, c'est ce genre de vidéo que les viewers, il faudrait qu'on fasse des vidéos comme ça. Ça fait plus d'un an que j'attends de faire une vidéo comme ça, hein, élection. Mais là, le moment est arrivé là, pour faire la vidéo. Tu vois le truc, faut bien réfléchir au truc. Après on peut le faire en non-ranked ou tout ça, c'est pas un problème. C'est juste pour tester un peu les gameplay. Après c'est pour le plaisir, pour voir. Tester la compo à thème, éventuellement avec des bulles PV ou sans les bulles PV. Après je pense qu'à faire les 5 bulles PV avec des joueurs comme vous, ça va être compliqué, mais ça pourrait être marrant. Franchement ça pourrait être marrant. Vous essayez de vous démerder avec les bulles PV, etc. Mais il faudra avoir un terme. C'est pour ça qu'il faut qu'on en fasse déjà, faut qu'on en fasse. Même à 1, 2, 3, même à 3. À 3, c'est important. 3. 3. Attends, qu'est-ce qui se passe là ? Quel passe ? Quel passe à Rangle ? Quel passe à Rangle ? Oh là là. Ah, je pars, attends. Je me suis laissé. Je pensais qu'on allait rentrer dedans quand même. Avant de faire le. Tiberos. J'ai peur que la planète explose. 5 000 pays, ça va être trop fort. Ah ouais, mais là, on va faire exploser la planète. C'est pour ça, moi, c'est pour ça. C'est... Non, mais après, voilà, tranquille. Faut... Ouais, 5 pays. Déjà, faudrait qu'on arrive à choper Picsou. Un Pipaja, je pense que ça doit être faisable. C'est compliqué à mettre en place. Mais un week-end. Moi, de toute façon, je vais essayer de mettre en place plutôt des streams le week-end. Des streams nerveux, des trucs comme ça. Je vais plutôt miser sur le week-end parce que la semaine, c'est trop compliqué à mettre en place. Déjà, c'est le week-end. Mais... Je pense qu'il y a possibilité de moyen de mettre en place un petit gameplay comme ça. Je vous dis, hein, c'est. Putain! Allez, les globes. Comme ça, les globes. Ouais, non, mais c'est vrai que Arab, si on fixe ou.
J-Lab. Parce que même au niveau de la ce qui est bizarre, c'est que par la force des choses, chaque poste correspond. Parce que moi, c'est pas... en réfléchissant, j'ai dit qui joue les persos que j'ai besoin. Dans les persos que je connais, les gens que je connais. Et j'ai réfléchi, c'est bizarre, c'est tombé pile poil sur les gens qui seraient bien en réalité pour le truc. L'équilibre parfait, je pense, ça serait ça en plus. Même au niveau de la team, ça pourrait être bien. Parce que Pipage, c'est quand même le viewer le plus. C'est quand même un viewer assez important. Et puis moi, c'est un pâtier réel. Donc il y a cette histoire-là. Il y a Raption qui stream, etc. Il y a J-Lab qui a stream en premier, qui a commencé les streams. Qui m'a soutenu et qui connaît plus de monde dans sa communauté. Quoi. Connaît beaucoup de monde dans sa communauté et tout. Enfin, tu vois, il y a des bonnes personnes. Il y a Picsou qui est le plus ancien streamer des Roses, etc. Avec qui justement j'ai discuté. J'ai fait des vidéos, j'ai enlevé des vidéos. Picsou, en fait, c'est le plus difficile, ça va être de convaincre Picsou, mais je pense que Picsou, il n'y a pas de problème. Parce que s'il veut vraiment pas, je pense. Après, voilà, faut qu'on arrive à se mettre en place ça, mais. Occasionnellement. Le week-end, faut qu'on mette en place. De temps en temps, même si on fait juste une vidéo, moi. Parce que moi, tant que j'aurais pas fait ma vidéo, moi, je vous proposerai. La vidéo. Parce qu'en plus on avait fait la vidéo terrain mais on n'a pas gardé la vidéo, c'était la vidéo la plus insane qu'on avait, que c'était la vidéo la plus insane, la compo terrain qu'on avait fait là avec je sais plus c'était qui là, avec attends, la compo terrain elle était what the fuck hein. Non franchement, il y a des bonnes vidéos à faire. Des bons gameplays. Et puis c'est même des gameplays à faire régulièrement. Hein. C'est pas que. Mais ça reste quand même. La particularité de faire du beau jeu et de faire des combos à thème, censé avoir une synergie avec les bonnes personnes et tout, ça peut être ouf. Ah putain, je me suis trop avancé là. Oh, heureusement, on n'a pas chargé plus ou moins le busher. Ah, il va me shooter là. Je vais me barrer là. Un petit meuble. Voilà, juste pour. Ah, je peux pas les booster en vitesse, c'est le problème, je peux les booster. Mais... j'ai pas envie qu'on en vienne non plus. Tiens, le meuble. Alors, le meuble, magnifique. Magnifique, même. Allez, Another Human Chase. Le bump encore. Magnifique, encore. On retourne, on perd du son cette fois dans 3, 2, 1. Ouais. On va chercher du bump encore. Du bait. Ah, mais en ouf, mais ça passera pas. Ça passera pas, il n'y a pas de dégâts, je sais pas. On se fait rouler dessus un poule. Ah bah c'était sûr, le problème c'est que non, ça fonctionne trop. C'est ce que j'avais peur, hein. Je me disais, même en poussant comme j'étais en train de pousser là. Même, on était greedy, je sais pas. Il y en a plus de PV pour Lucio. Bah Lucio c'est pas vraiment PV, hein. Mais ouais c'est un but de PV. Il y a mon but là. Hein. Je l'ai fait la vidéo là, je vais mettre sur YouTube. Il y a Lucio dans la compo dead, il y a Lucio. Lucar, non, je connais pas. Non, ça reste. Ma banne de sa chaîne, et je l'ai banne de ma chaîne. Ici c'est PVI. Bon, on va les détruire là, si je ne fais pas. Voilà, un petit bump là, qualitatif. Meurs du son. Meurs du son là. Le bump. Bon. Attends, j'ai un peu de vitesse là. Un peu de vitesse. Voilà.
sur moi. Je vais retourner là. C'est violent. Ah, ah non, crédit là. On a grillé de l'action. Non mais ouais, mais moi après voilà, ouais, j'ai des petites compos de ça à mettre en place, mais dans tous les cas, même si on fait compo pas compo, dans tous les cas, faudrait qu'on joue avec Sion et essayer de jouer avec des mecs comme ça, avec qui on se connaît depuis longtemps, on n'a pas joué beaucoup ensemble, mais on se fait quelques vidéos, quelques gameplays, quelques... Qui sait, peut-être que ça va porter ses fruits, mais... De toute façon, avec ça d'intéressant. Moi je vois les socs en bas je crois, hein. Parce qu'en bas il y a la voiture refresh. Hein. Parce que moi si tu peux récupérer l'XP même après, j'ai vu en fait ce système là il est pas mal en vrai. Ah par contre faut pas perdre le teamfight là. Je vais aller. Ah, c'était un team play. Les services seront récompensés. Soyez sur vos gardes, les héros. La guerre est faite. C'est dans jusqu'à votre position. Ça y est, on est bon. Je sais pas, pire meilleur du son, mais je sais pas. Sure. Comment on met de la pression quand même. Après, de tuer Lucho, ça coûte cher aussi. Mais... Non, j'avoue, j'ai pas pire meilleur du son. Je sais pas, je me suis placé comme un. Après, je suis censé prendre des risques. Hein. Faut... Parce que c'est à moi de mettre le premier bump souvent. Ouvrir le teamfight sur un bump. En tout cas, ça valait du coup là. J'avoue que sur le coup j'ai tilté, j'ai cru que j'avais peut-être tué la game là. Tuer le gameplay là-dessus. Non, mais en vrai, on est solide là. C'est là que tu vois que le jeu il est solide et rose parce que même quand tu fais de la merde une fois ou deux, trois fois maxi, ça va, ça passe encore. C'est, tu te peux toujours te remettre, c'est quand tu joues avec des bons joueurs à qui t'as l'habitude et tout. C'est ta confiance, t'arrives à. Tu sais que tu vas pas faire l'erreur 10 fois, ton pote tu vas pas faire l'erreur 10 fois, tu vois. Je sais de base. Ah, il m'a cancel de mon son. Mais c'est pas grave. Heureusement, parce que du coup, il reste pas grand chose sur l'immo. Faut focus un peu l'immo là. L'immo, il reste rien. Oh. Il est où, tu vois? En plus on a la wave au top avec Eric qui a besoin d'un peu de heal. Oh, c'est le bon timing ça. Niveau il est même pas là. Quand il va arriver ça va être... What the fuck. Pas de la merde. Et Lucho qui reprend l'agro. Souvent je prends l'agro, hein. C'est volontaire hein, de prendre l'agro à Lucho. Hein. Ça va être une volontaire. Hein. Ouais, c'est GG. Hein. Juste à finir. Faut tester des petites compos à thème là. Faites jamais des compos. Des petites compos là.
En vrai, y a pas vraiment besoin de faire compo, y a juste besoin de faire une bonne draft et d'avoir une bonne intelligence de jeu, bon PV. Mais une petite strat, c'est plus pour le côté sympa, le côté. Tu joues pour. Ouais. Il y a quoi qui suis mort, hein, mais après c'était pour le bien de la team, hein, c'est un peu le principe du truc. AG. Domination PV, ouais. Vas-y, on refait vite fait. Est-ce que là, ce coup-là, t'es chaud, je te donne un build? Attends, je te donne un build vite fait. Ah non, t'es pas chaud. Je t'aurais donné le build Arthas PV. Tu l'as le build d'Arthas PV? Ou au pire, tu fais ton Arthas à toi. On aurait essayé KTZ d'Arthas juste pour le plaisir, même si on perd, c'est pas grave. Je crois qu'il m'entend pas déjà être sur stream. T'as pas l'air chaud. Après, comme j'ai dit, en duo et tout, c'est pas ouf, ouf, c'est pas intéressant. Ouais, parce que t'as moins de chances de gagner quand tu fais des trucs comme ça. C'est plus intéressant de connaître et de se dire qu'en teamplay, ça peut être. Comme disait Arabsion, ça peut retourner la Terre entière, exploser la planète. C'est ça le but de la strat, la compo. Non, j'avoue, le mieux c'est de voir quand même les compos. On est chaud, hein, moi, déjà, on est les plus anciens, je crois, on va dire Rose. On est les plus anciens. Même si on a fait peut-être moins de games que pas mal de gens qui ont commencé après ou qui ont connu le jeu après ou machin, mais nous on est des anciens. Moi je l'ai pas connu au tout début qu'il est sorti Rose, mais j'ai connu dès que je l'ai connu j'ai accroché tout de suite. Contrairement à Overwatch, j'ai accroché mais j'ai mis plus de temps. Je sais pas, j'étais pas pris dans le truc de vouloir tryhard, je trouvais que c'était trop dur, je sais pas. Mais Rose, j'étais pris tout de suite. Ça m'a pas fait en deux temps. Overwatch, ça m'a fait en deux temps un système de vagues. Quand j'ai senti que j'avais le niveau, ouais, ça m'a donné envie de tryhard un peu plus. Mais Rose, j'ai tout de suite eu l'impression d'avoir le niveau. Vas-y, moi je vais prendre Arthas ou Balaf. Balaf. Jaina aussi je peux jouer, je sais pas. Avec un niveau mec. Ouais. Pourquoi toi t'as du niveau toi? Je sais pas du tout. Sweet. Bon il m'a pris mon truc. Ouais, je crois un petit KTZ, moi je suis bien chaud en vrai. Ça me fait bien des liens. Alors je sais pas ce qu'il va prendre, mais sinon faut que je prenne un tank. Un tank. Ah, t'es sauté, j'ai pas envie de parler avec toi en vrai. J'ai juste pas envie de parler avec toi. Je sais pas que tu parles non plus. J'ai pas dit que j'avais un niveau, que j'avais pas un niveau, je sais pas ce que tu vas avoir. On fait une vidéo YouTube tranquille. Ouais, si on va être sur YouTube. Mais c'est pour ça là, si t'aurais fait Arthas là, ça aurait été parfait, Arthas PV là. Je t'aurais donné le build là. Ah merde, j'ai déjà choisi. Ah non, j'ai pas choisi, attends, regarde. Je te donne le build. Ah mais je crois pas que tu l'as le build. Je crois pas que tu l'as Arthas.
Et là, franchement, on aurait pu le faire. Là, on aurait bien pu le faire. Moi, je prends 4 TZ. 4 TZ, non. 4 TZ pour le plaisir du fun. Mais c'est dur à mettre en place. Hein. 4 TZ PV. Hein. Honnêtement, c'est dur. Je crois que j'ai vraiment du mal à gagner des games avec ça. Mais... Comptez sur moi. Le truc, c'est que ça n'a pas une puissance d'aggro très puissante, le but que je joue là. C'est pas ça, c'est juste que c'est fun. C'est... Ça retourne la méta, ça rend fou. C'est PV, c'est pas mal. Je pense qu'avec la bonne draft qui va autour, là, même la draft undead et tout, je suis sûr que ça peut être un truc de fou. Parce que le principe, c'est quoi? C'est qu'une fois que KTSD il a son 10 aussi. Il a son ulti qui immobilise. Arthas il immobilise. Xul il immobilise. Donc voilà. Et Balafré il grabe et. Etc. Donc quand tu cumules le tout, ça fait que bon. Les gars, tu les grabes, tu leur mets les chaînes, tu les immobilises, tu les encercles avec des cacs. Toujours un match derrière pour focus. Toujours un Lucio pour mettre de la pression. En fait. Mettre du sang. Et toujours un Xul pour aller chercher de l'XP et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment. Ça peut être intéressant. Que le combat commence. Un choix décisif. Tout le plaisir sera pour moi. Ça sent. C'est bizarre, mais en team play, le build 4TZ PV, je suis sûr qu'il est trop bien. Ouais. Ça doit être trop kiffant. Ça doit être trop kiffant à jouer pour le 4TZ PV. C'est genre, je proposais ça même pour voir Rapion et tout pour tester cette compo, mais la vérité, le build il doit être kiffant à jouer pour tous les joueurs de la compo. C'est le build trop intéressant. Ouais. Le gameplay, ouais. Parce que dès que tu mets un peu de pression. Tu vois tout l'intérêt du build, hein, du set. Et tu vois, en fait, avec tes chaînes, la limite, t'es pas obligé à 100% de... Rien que tu touches déjà avec ta chaîne, déjà, tu fais du dégât. C'est toujours... Attends. Parce que là, ça va arriver par ici, là. C'est pas ça à travers le truc. Putain, je sais qu'il va aller par derrière. Ça, j'ai peur. Ça, j'ai peur. Je me retourne, non, mais je savais, j'avais peur parce que
Il y en avait un par au-dessus aussi. Je sentais pas du tout le mouvement. Ouais. T'es super greedy là en mode on n'a pas une bonne visu. On veut taguer chez les graines chez eux. Alors qu'il y a toute la map à gérer. Mais bon. Ça permet d'être dans la fight constamment. Savoir où on en est, évaluer un peu notre loot aussi. Même si on se prend des kills dans la fin. Attends, on va partir là. Faites gaffe, pas crever. C'est compliqué. Hein. Mon but c'est quand même de frapper sur les packs de creep et tout, d'être caché derrière. Tu vois, par exemple, mettre mes spells comme ça sur les creep, tu vois. Histoire de. Un maximum de value. Et il faudrait faire du PV là, on en fait pas assez. Busy camp, ça c'est PV, ça rien. On a de l'avance d'XP, ils ont eu les graines, mais nous on a l'avance d'XP et c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit. C'est compliqué là, on va essayer de prévenir un peu les chaînes là. Alors, ouais, ça fait ça fait un kill, mes chaînes ça les a déstabilisés. Du coup, ça les a, j'ai réussi à les faire se coller entre eux. Et du coup, ils sont mangés le. Tiens, ça va refaire un autre. Ah putain, j'ai pas vu. Non, c'est intéressant de fou. Hein. La vérité, celui-là, il est trop kiffant à tester. Hein. C'est tombé, c'est plus kiffant. Ça doit être le build le plus fun. C'est celui où tu retournes le plus de spells imprévus. Tu sais, le gars, tu les retournes, tu sais, les. Tu déstabilises dans le placement. Je vais chercher les blocs vite fait en bas. On m'a laissé comme ça. Allez, les chaînes, moi. Voilà. Lucho, c'est bien parce que ça permet à KTZ d'avoir de la sécurité. Parce que le truc, c'est que KTZ, c'est tellement fragile. C'est tellement de la merde en vrai, KTZ. Tellement fragile que si t'as pas au moins Lucho. Allez, c'est bon, il y a des Lucho qui partent là. J'ai pas de mana. Voilà, c'est bon, là, on va rouler dessus, là, je pense qu'on a pris l'avance d'XP. Je pourrais back ma middle, là. Je crois que je vais faire ça. Non, je vais y aller, mais tranquille, je vais économiser un peu la mana. Rester un peu sur ma ligne. Tiens, mais fun ce but là. Je sais pas ce que ça me donne. Attends. Est-ce que j'ai eu qui en plus là. Ça merde. On va pas se faire avec ma mère. Allez, faut qu'il vienne. Allez. Ah putain, c'est le moment ou jamais. Ah, j'ai fait. Ah, il est mort sur comment tu en as touché. C'est
pas bien. Honnêtement, ils sont pas bien. Je rentabilise bien le build là, je sens bien. Je rentabilise bien, bien, bien le truc là. C'est pas. Et c'est pas. Tiens. Je vais peut-être me j'ai plus mal. J'ai vraiment pas de mal à ça quoi. J'ai vraiment un relou mana. C'était pas censé que ça dure aussi longtemps mais. Un multi survie. J'ai vraiment pas de mana, c'est emmerdant vraiment. Qu'est-ce que c'est de sa c'est. Ouais, faut vraiment qu'on se barre. Hein. J'ai pas spell, j'ai plus rien à faire. J'aime bien la tuer ce qui marche. J'ai ma fontaine en plus. Enfin, j'avoue que c'est intensif, hein. Le gameplay est intensif. Mais... Non, mais là, ce qui va être intensif, c'est quand on va se la prendre là. Ça va être intensif aussi. Je vais tuer. Destroy. Allez, le spell de Lich. Ça, c'est insane, insane ça. Ce que je suis en train de lui faire là, c'est insane. Que tes épées. Précieuses terreurs sont tombées. Non, je pense qu'on va gagner la game. Hein. Je pense qu'on va gagner si on perd ce move. Mais... Bien fun en tout cas. Bien, bien fun. Une graine a été plantée. Elle germera en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Franchement, je crois qu'il n'y a rien de plus fun que KTZP en teamplay. Je crois qu'il n'y a rien de plus fun. Plus intéressant. Ce que je suis en train de faire. Je pense que ça doit se ressentir même sur stream, c'est genre c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, il n'y a que les chaînes qui sont bien value et un peu le Sorpel 1. Là. Mais le truc, c'est que ça c'est trop petit en fait. Ça permet d'avoir une synergie parfaite sur le build. En termes de fun, c'est vachement fun. Tiens, je perds sur Jaina là. Dès que je vais arriver. Ouais, ça, Jaina va être déstabilisée. Mais là, ça reste fragile. Faut éviter. C'est pas cher, hein. J'ai arrêté d'avancer, c'est. Allez, chaîne. Parti, c'est pas parti. C'est pas si simple, mais c'est pas si compliqué non plus. Là, c'est les chaînes. Bah, du coup, ça suit pas le tuer, il suit pas. Hein. Je vais le finir, je sais pas trop quoi. Je vais avec Diego, moi. J'ai un petit coup de main. On a Zivo ici. Je crois qu'il y a le gros team fight. On va faire plutôt le gros team fight. On va envoyer le truc de la Lich là. Et hop, c'est parti. Ah, ça va être n'importe quoi.
n'importe quoi. KTZ PV, compo PV. Ah ok. Là tu vas. Ah j'ai des sûrs. Ah c'est juste n'importe quoi les amis, franchement c'est trop fun. La zone elle augmente la taille de la zone, je sais pas si c'est une quête ou... Et la taille de mes sphères. Ah non c'est que j'étais en zoom. Zoom c'est pas mal comme GTA. Alors encore le truc c'est qu'il y a constamment un burst parce que tu vois. Le truc c'est que quand tu les. En fait quand tu les combos jusqu'à la mort. En fait. C'est ça qui est bon parce que. Le truc c'est que la puissance d'aggro, je crois qu'elle est là. La puissance d'aggro là de la component death, je crois que c'est la plus puissante. Vraiment un aggro très chiant quoi. Tout ultimate. Est-ce qu'il y a un fan? On fire, la flotrissure. Ah putain, on est nickel. Mais je sais pas, on était loin hein, du truc. Hein. Si on va prendre la graine là, c'est vrai, on a pris la graine. Au moins, on l'a eu donc ça va. On a eu la troisième graine, plus importante. Ah, franchement, bon gameplay. Bien fun, bien fun. Les amis, voilà. Bon, c'est le petit gameplay là, tranquille. Samedi soir en plus. Moi, normalement, j'avais prévu de faire un autre stream. Bon, alors, ça, j'en parlerai parce que là, je pense que je vais faire une vidéo. Moi, je vais peut-être faire une pause aller manger parce que j'ai pas mangé. Mais bon, ça, ça arrivera pas forcément la vidéo. Ouais. Ok. Ah bah c'était cool. Ouais. Bon après on n'a pas trop travaillé. Je vais pas trop en faire parce que normalement je dois faire sûrement du GTA là. C'est pour ça. Je dois faire vraiment des courses de GTA, etc. Faire des vidéos tout ça. Bref. Mais du coup ouais. Bah du coup on a fait que des wins. Et du coup alors le KTZ là les stats ça dit quoi ouais tu vois c'était pas mal hein. Je fais quand même ce qui est. Pourtant c'est que du build bizarre. Hein. Y a pas de dégâts quoi, y a pas vraiment de dégâts en fait. Bon, après Diablo fait du kill aussi et Vala aussi donc après. Bon les amis, je souhaite. Bon bah moi je reviens plus tard hein, comme je vous disais. On fera des vidéos tuto là pour YouTube, on va essayer de mettre en place la chaîne YouTube bien, etc. Et voir ce que ça donne quand on joue avec les maths, vous voyez moi et Jelab, ça fait on est des anciens. Quand on joue, ça fait des bons gameplays, des bons. Même si on a des phases où on est en difficulté, mais tu sais, on a quand même.
Mais après, bon, on n'a pas fait énormément de game non plus. Allez, à bientôt les amis. Je vous laisse.